Jeune citoyen lambda, dis-moi qui es-tu? Un fils de la patrie ou un simple fils de la rue? Ça y est, en somme, tu es maintenant l'élu. Après chaque fait commis, tu es déçu. Donc rendre ton peuple mal ne doit pas être ton but. Quand je réplique, je suis qualifié de cynique. Et dès que ça commence, on est tous condamnés à rester figés et à respirer ensemble un air confit. La petite beauté de notre pays nous incombe tous. Ainsi dit, nos corps frêles couvrent nos devoirs dans nos trousses. Citoyens, proteste pour ton fric et opte pour une marche pacifique. Cette terre innocente, très belle, a appartenu à nos ancêtres. Elle m'appartient autant qu'à toi, tout comme des êtres. Sur notre lignée, nul n'est né avec une mention bien notée. L'école de la vie ancre en nous plusieurs de nos réalités. Citoyen lambda, qui es-tu vraiment? Je te sens tout perdu. Une alerte au sifflet n'est pas synonyme d'une meute de la rue. Alors grève, grève à ta fin et même, grève sans trêve. Arrive à ta fin, rends un salut, respecte ton commun, il a un rêve. Grève car c'est ton droit, l'espoir du pays repose sur toi. Et n'oublie pas que ta petite nation avance avec des lois. Arrête de saccager, soldat, laboure la citoyenneté autour de toi. Ça se passe dans ta tête au début comme une primitive impression. Essaie de lire le futur, tu sauras que tes actes engendreront des dépressions. Surtout ne transforme pas notre Eldorado en un champ de compassion. Appelle à l'ordre, confrère, à la conscientisation de tes frères. Les édifices publics doivent vivre pendant des airs. Offre la chance à tes petits-fils de voir nos monuments, nos galeries, nos musées et nos goudrons à tout moment. Alors écoute, réfléchis et cultive les civismes autour de toi. Vandaliser, brûler, peiner ne sert à rien, mais pourquoi? Jeune du secteur informel, tu as une conscience mûre. Les biens publics sont aussi pour les générations futures. Tu aimes ta ville lorsqu'elle est belle. Pour tes frères, sois donc un modèle. Pourquoi détruire à vive mais ce que l'autre a édifié pendant longtemps? Pense à tous ces gosses qui rêvent jour après jour d'une vraie éducation. Tu peux penser être le premier ou le plus blessé à chaque instant. Sache que les derniers à tes yeux cherchent deux fois plus de solutions. Élèves, étudiants et enseignants, vous et moi avons la même adresse. Directement à vous je m'adresse. Résistons un peu plus à nos faiblesses. On n'est que des sosies de notre nation. Elle fait partie des PPTE, des dignes fils intègres d'un pays très pauvre et très endetté. C'est vrai que quand on s'énerve, naturellement on se perd. Et face à des forces de l'ordre, progressivement on égare nos repères. Citoyen lambda, respecte ta pauvre vie et celle des autres. Même si elle ne vaut rien, son humble amour est le nôtre. Les feux de stop sont implantés pour nous protéger. Pourquoi les détruire une fois quand on est arrangé? Nous sommes une génération qui a le destin lié aux grèves. En somme, on doit être armé de stylos, de mots et non de glaives. Gréver et casser est le seul langage que l'autorité comprend. Gréver et casser est la meilleure façon de faire des accidents. Gréver et casser, c'est blesser son peuple et non le gouvernement.